Bonjour à tous, bienvenue dans l'Ain, région Rhône-Alpes. On n'est pas bien loin de la Bourgogne par ici, on est dans les débuts de la Bresse, à Vona, petit village connu pour son super resto 3 étoiles qui nous attire beaucoup de belles voitures. Voir des belles voitures tout le temps, ça m'a rappelé que j'avais aimé l'automobile longtemps, et quand on n'a pas les moyens, et ben on fait dans la petite ancienne sympathique, histoire de rouler différent et de se faire plaisir. Donc voici une 104 Peugeot style Z. Donc voiture produite de 1972 jusqu'à 1988. Alors celle-ci, donc c'est une version coupée qui date de 1987, 14 avril, première mise en circulation. Donc ça fait 2 jours qu'elle a eu ses 33 ans, l'âge du Christ. On va espérer qu'elle vive longtemps, plus longtemps que lui. Donc ce petit coupé, il a des particularités liées à son année et à sa série limitée. La Style Z, c'était la reprise à pas cher de l'esthétique de la version ZS, qui était la version sportive. C'était des sportifs qui montaient pour la première ZS à 82 chevaux et la deuxième à 97 ou 98 chevaux. Dans une voiture qui fait 740 kg comme celle-ci, ça devait être assez fun. Donc elle reprend, ouais, des petits éléments de design de ces versions sportives, notamment le petit becquet qu'on voit là avant, là, sous la plaque d'immatriculation. Elle a le grand volant qu'on verra tout à l'heure à l'intérieur. Donc c'est histoire de lui donner un petit air de sportive. Après, elle a des particularités esthétiques qui sont liées à son année. À partir de l'année modèle 87, donc milieu 86, Peugeot avait remis un peu au style, la 104 l'avait remis un peu au goût du jour pour reprendre un peu le style qui s'était amorcé avec la 205. Et on a donc cette calandre à 3 barres, là où avant on avait des calandres à grilles standard. Donc on a ce truc, alors qui est une vraie rareté du coup sur les 104, parce que sur les dernières années, il n'y en a pas eu beaucoup de produits, donc des calandres, il n'y en a pas eu beaucoup, des calandres à 3 barres, et en plus c'est un plastique qui vieillit très très mal, donc on est assez nombreux à avoir des emmerdes avec, elles partent en morceaux, c'est le petit défaut de la bête dans cette version là. Donc cette voiture, bah, ça va faire 1 an début mai que je l'ai trouvée, elle avait été un peu nettoyée après une sortie de grange et puis déjà révisée, donc j'ai rien, pas eu grand chose à faire dessus pour pas dire rien. Elle était en super état, couchée au garage depuis toujours, il n'y a pas un pet de corrosion, j'ai moins de corrosion là-dessus que sur mes voitures qu'on 10 ans, c'est un truc de dingue. Donc du coup, moi je l'avais récupérée à peu près à état d'origine, hein, donc la calandre à bâtons, les pneus, les jantes d'origine tôle. Donc j'ai fait quelques ajouts histoire de l'améliorer un peu. Donc à commencer par, on va aller voir côté ensoleillé, les jantes en alu, les fameuses jantes à mille qui ont été montées sur beaucoup de voitures chez PSA. Voilà, donc ces belles jantes, tout alu, ça a été monté donc sur la 104, c'était les jantes des ZS. Donc ça c'est de l'accessoire d'origine, hein. Ça pouvait s'acheter séparément chez Peugeot quand on achetait sa 104. Donc c'était les jantes des ZS et des ZS2. Ça a été monté aussi, je crois bien, sur certaines Visa, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était les jantes sport. Donc ça, j'ai mis ça parce que, alors d'origine, je vais vous montrer, histoire de pouvoir la mettre dans l'état où elle est sortie d'usine. J'ai gardé ma jante tôle et j'ai trouvé, ça c'était une spécialité aussi des années modèle 87-88 sur les 104, pour mettre aussi là au goût du jour avec la 205, le superbe enjoliveur en plastique, qui lui donnait donc un look plus moderne à l'époque, mais alors que je trouve vraiment vieillot maintenant pour le coup. Donc elle avait ses 4 enjoliveurs plastiques, ça faisait partie des spécificités liées à l'année. Donc cette voiture est, comme je disais, donc 740 kg, c'est un petit moteur qui sort une petite cinquantaine de chevaux, peut-être à 47 ou 48, je ne sais plus. Donc c'est très rigolo, ça va, c'est pas sportif pour dessous, mais petite route de campagne, c'est parfait. J'espère pouvoir vous aller faire un petit tour, donc on verra. On continue le tour. Un truc qui m'a toujours étonné sur les 104 Style Z, il n'y a pas marqué 104, nulle part. Ni à l'avant, ni sur les côtés, ni derrière. Là, vous avez juste le logo Peugeot et la reprise Style Z. Sous la fenêtre arrière, là, on a ces petites bandes noires là, qui partent en morceaux d'ailleurs sur la mienne. Ça, ces stickers là, c'est spécifique aux années, pareil, les 2 dernières années, donc année modèle 87 et 88. Un petit truc que j'ai fait aussi, là, le petit autocollant Peugeot champion du monde des rallyes 85-86. Je l'avais, il était tout jauni, tout pourri, ça se refait, donc je lui ai remis histoire qu'elle retrouve un peu de son jus. Les petites bavettes à l'arrière. Alors ça, à mon avis, je suis totalement anachronique, parce que vu que c'est le lion héraldique qu'il y a dessus, il n'était plus du tout utilisé dans ces années-là, mais
C'était histoire de pas trop la salir. Et puis le Lion Héraldique qui est quand même très joli. Donc je les ai trouvées neuves. Sur la plage arrière, on a fait une petite évocation années 80, hein, avec la veste en jean, le Walkman et les vieux sauront de quoi on cause, le Kiki. Un truc qui va faire rêver les possesseurs de 104. J'ai le gicleur. Ça, ce gicleur à la con, tout le monde le cherche. Il se perd facilement parce qu'en fait il est juste posé. Et à part faire refabriquer pour l'instant, personne n'en retrouve. Donc ça c'était une option du coup aussi sur la Steel Z, c'était donc l'essuie-glace arrière. Bon, techniquement le gicleur il en met la moitié à côté de la vitre, le balai est minuscule, ça ne suit pas grand chose. Hein. Le petit bouchon, ça c'est un défaut encore, il n'est pas d'origine, c'est pas ce qu'il y avait de monté dessus. C'était des bouchons qui étaient entièrement couleur carrosserie, à l'occasion je retrouverai. Au pire, il y en avait des chromés aussi qui se mettaient sur les 104, ça ferait peut-être pas mal. Et puis donc les bandes aussi sur les portières avec la reprise du Steel Z. Petit détail qui peut être sympa si vous avez une ancienne, il y a un site là, c'est qui refabrique des petites vignettes comme à l'époque. Donc je lui dis sa vignette d'année de naissance. Voilà. Vous voyez extérieurement, elle est pas. Je me plains pas, elle est pas dégueu. Allez, un petit tour à l'intérieur. Donc une chose qui m'a fait acheter celle-ci pour une autre, c'est que la sellerie était en super état. Vous voyez, c'était vraiment du tout bon. Ah, les sièges qui se relèvent avec la petite manette. Voilà. Les places arrière, alors c'est du symbolique. Hein. Bon, le siège là, il est reculé à fond, mais je vous garantis, même quand le siège avant est au maximum vers l'avant, c'est les genoux dans le menton. Hein. Les ceintures sans enrouleur, formidable, qu'il faut régler à chaque fois que quelqu'un monte. Avec quand même le petit détail qui tue, le petit support pour poser sa ceinture. Les appuie-têtes, ça c'était de l'option. Je les ai trouvés après, je les ai pas eu avec. Donc, trouvés après, et puis je les avais trouvés pas de la bonne couleur. Donc, j'ai fait refaire. Vous voyez, on voit bien. Le tissu est le même, j'ai vérifié 15 fois, mais ben, le truc c'est que le tissu sur les sièges a vieilli, alors que sur le dossier, ça je l'ai fait refaire, c'était le seul défaut. La petite montée côté conducteur là qui était toute râpée. Alors, côté confort et conduite, une entorse que j'ai faite. Le tableau de bord, c'est un tableau de bord de GLS. C'était la version 4 portes, enfin 5 portes d'ailleurs. La version 5 portes de luxe, on va dire, qui avait l'horloge. Sur celle-ci, normalement, il n'y a pas l'horloge. Donc, j'en ai racheté un tableau de bord de GLS. J'ai mis mon compteur dedans et comme ça, j'ai l'heure dans la voiture. Ça, c'était très pénible. Autre option, le super autoradio mono Blaupunkt. Il y avait le bouton cassé, j'en ai retrouvé un. Un autre autoradio, j'ai piqué le bouton. Et qui marche, c'est formidable. C'est pas beau ça, bah, je mets pas le son trop longtemps, parce que YouTube va pas aimer. Hop, avec les super boutons de pré-réglage, ça c'est formidable. On peut pas enregistrer ces stations, hein, mais par contre, ils retrouvent. Là on a RMC, là on a Luxembourg, c'est quoi, c'est RTL maintenant. Là, les petites ondes AFM. Là on a Radio France et là on a Europe 1. C'est très fort et ça marche partout. D'appuyer sur le bouton, il retrouve il a la fréquence. Ça doit être des radios qui ont les mêmes fréquences historiquement partout dans la France. Et voilà. La commande de l'essuie-glace arrière, ça c'est formidable en roulant de réussir à appuyer là-dessus pour donner un petit coup d'essuie-glace. Alors si on maintient longtemps, ça déclenche le gicleur. Formidable. Pas de boîte à gants. On a une superbe étagère en plastique. Absolument fabuleuse. Qui contient pas grand-chose et qui nous tombe dessus. En plus. Il y a des reflets partout. En plus, vous voyez, il y a le super ventilateur pour la ventilation. Donc, autant dire que la hauteur utile, vous voyez, c'est une boîte de mouchoirs. Formidable. Voilà, voilà. Donc, celle-ci, vous voyez, 187 000 km. Elle les a passées il y a 2-3 semaines. Là. Je l'ai fait encore tourner. J'allais dire la chance d'aller encore bosser. Oui et non. Parce qu'on s'expose un peu en ce moment, mais en même temps, ça permet de se balader un peu. Et du coup, de temps en temps, ouais, je la prends pour qu'elle tourne. Parce qu'elle roule pas déjà beaucoup, mais là, à ce moment, c'est la cata. Voilà, et on a un autre petit vide-poche là sur le côté, avec de la ficelle de partout, et puis de la ficelle, du câble de partout, et de la paperasse. Allez, on va ouvrir le capot. Ah, vous montrez la bête. Alors le capot il est repeint récemment, là. Il a fait même pas 100 bornes qu'il a été repeint. Parce qu'il en avait besoin, il y avait le nez du capot qui était un peu attaqué avant que ça dégénère vraiment.
Alors, spécificité de l'époque, ça se faisait beaucoup. La roue de secours posée sur le moteur. L'air de rien, ça gagne de la place. Bon, ça rajoute du poids à l'avant. Mais bon, s'il y avait ça dans le coffre, on serait foutu, il n'y aurait plus de coffre. Alors, on va l'enlever. Allez, roue de secours déposée. Donc, voici le moteur. Qui a une spécificité un peu sur les 104. Hein. Un truc un peu bizarre, c'est un ensemble moteur-boîte avec le graissage en commun. Donc, quand on fait la vidange, on vidange du coup et le moteur et la boîte. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Par contre, du coup, bah, pour l'encombrement de l'ensemble, on se retrouve avec un moteur qui est couché. Et donc, vous voyez, là, je sais pas si on va voir grand chose, mais le bouchon de réservoir, du coup, il est sur le côté de la culasse. Et on a la culasse qui est donc penchée. Donc là, si on veut, par exemple, si un jour on a une merde et qu'il y a un joint de culasse à faire, ben, il n'y a pas d'autre choix que de sortir tout le bloc moteur, là. On peut pas faire. C'est un poil emmerdant. Le freinage, comme vous le voyez, pas de master vac, hein, donc, faut appuyer fort sur la pédale. Bon, pas très fort non plus, hein, parce que la voiture est super légère, mais quand on a l'habitude de nos voitures tout assistées, ça fait tout drôle. Évidemment, pas de direction assistée, hein, je précise pas, c'est pas la peine. Voilà, voilà, petit moteur, carburateur, hein, parle pas d'injection là-dessus, carburateur Solex. Voilà, avec, c'est bien à l'ancienne, le gros bloc du filtre à air. Voilà, rien de spécial en mécanique, ouais, à part ce moteur couché. Qui a une petite spécificité sur ces voitures-là. Voilà, voilà, et donc la calandre, alors là, je vous montre cet état magnifique. C'est repris de partout, ça part en morceaux. Là, là, c'est le dernier morceau là, qu'a cassé l'autre jour. Là, il faut que je remette un coup de scotch derrière pour que ça tienne. Voilà, bon, ça, j'ai des pistes pour faire refabriquer. On verra ça plus tard, parce que à mon avis, ça risque d'être un certain prix. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre de rigolo aussi. La petite plaque constructeur automobile Peugeot, j'ai toujours bien aimé. Voilà, voilà, pour un petit tour de la bête. Bah écoutez, si on peut, là, j'ai une petite course à faire, on va essayer de la faire tourner un petit peu. Hop. Allez, je vous prends par-dessus mon épaule, on va faire un tour, une petite course à faire, là. C'est l'occasion, remplir ça, hein. Commençons par là, soyons en règle. Et c'est parti. Voilà, j'ai le pain. Deuxième tour à la boulangerie en 30 jours. Ça manque à tout le monde à la maison. Et c'est une occasion de faire tourner la vieille. Hop. Allez, on est reparti. Ça aura fait quelques kilomètres aller-retour. Ah, peut-être 5, hein, faut que je jette les poubelles. Hop, là le moteur est chaud, pied planché. Regardez ça. 33 ans il y a 2 jours. On pourra pas. Hein. Allez, hop. C'est reparti! Je vais ouvrir la fenêtre pour entendre bien le petit bruit parce que c'est quand même un son assez particulier ces petits moteurs. Direction pas assistée du tout, mais avec un grand volant, donc ça passe. Dire que la voiture est quand même pas lourde, hein. Je sais pas si je l'ai dit dans la présentation, 740 kg à vide sur la carte grise, donc il n'y a vraiment aucun souci à manœuvrer ça. C'est très couillon, mais vu sa petite taille, moi qui suis pas vieux conducteur, ça fait 4 ans que j'ai le permis, j'ai plus de facilité à faire un créneau avec elle qu'avec le bar en haut, qui est pourtant tout assisté, mais qui est assez imposant, et encore un bar en haut, c'est pas les voitures sur lesquelles on voit le moins autour de soi. Donc, j'ose pas imaginer ce qu'ont des petites voitures là. Celles qui font toutes modernes là. Merci monsieur. Les voitures toutes récentes, c'est des vraies meurtrières, les lunettes arrière. Je sais pas comment on fait un créneau avec ça. Après on a 104, grandes lunettes arrière, petite voiture. Super léger, ça passe tout seul. Allez, accélération fulgurante du plancher. Ouais, il y a que 50 chevaux, hein. Ça va pas. On va pas chercher loin, mais. Ça manœuvre super bien. On va chercher les butées tranquillement, même au ralenti. Bon, le rétro droit il manque. Hein. Sur une manœuvre, on serait bien content de l'avoir des fois.
Mais bon, j'ai hésité à le mettre et elle l'avait pas à l'époque, je trouve ça fait partie de son charme, le rétro droit qui monte. On va la garder à l'ancienne. Allez. Hop. Elle laisser prendre un peu l'air, il fera un petit nettoyage cet après-midi, ça occupera le confinement. Et voilà, ça vous a plu? On continue? Non, on n'a pas le droit. Pas de bol. Ben, en espérant qu'elle vous ait plu, au plaisir de voir d'autres vidéos de vos voitures. Là, on voit des trucs sympas ces derniers jours. Allez, bonne journée, merci à tous.